Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve pour ce quatrième épisode déjà sur The Wolfenstein's New Order, le let's play. Voilà, j'attendais ce petit coup de couteau, donc toujours avec notre ami William Blisko. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce jeu? Non, je rigole, je fais un boucan. Là, je suis en mode troll, je sais pas pourquoi. J'ai envie de troller un petit peu. Toujours comme d'hab, si vous avez raté les épisodes précédents, je vous inviterai à les regarder. Ou sinon, pour faire vite fait un petit prélude, en fait, pour vous raconter un petit peu dans l'épisode précédent. On venait de sauvagement violenter la femme. Non, je rigole. Non, voilà, on venait d'arriver à Berlin. On essaye de sauver nos potes, du moins ce qui reste de nos amis qui sont prisonniers. Donc on est en train de faire une petite sorte d'infiltration en territoire ennemi, il n'y a pas d'autre mot. Donc là pour le moment on doit s'infiltrer et essayer de trouver où se trouvent nos collègues pour par la suite les libérer. Et pour le coup, voilà, je t'ai perdu. C'est bon, on y va. Il vaut mieux qu'on reste sur les toits parce que en bas. C'est pas beau à voir. Petit truc rigolo, je sais pas si je le ferai. Pour le moment, je sais. Ouais. En fait, cette arme, pour tous les petits curieux, est-ce que cette arme marche sur les humains? Putain, tu vois, parce que là, tu peux découper des grilles, mais est-ce que tu peux faire des trucs sur les humains? Donc, j'ai essayé. Ça peut brûler la personne, mais ça ne le tue pas, du moins pas beaucoup. Vous allez voir tout de suite ce que ça fait. Voilà! Ce chacal du coup il s'est retourné. Là pour le coup lui il avait le casque. Ça doit lui faire pas mal de dégâts. Je sais que je l'ai fait sur une personne avec la tête nue. Et ça l'a quand même sauvagement brûlé. Je sais, d'un coup dans vos têtes vous dites mais pourquoi tu fais un truc comme ça mec? T'es fatigué ou quoi? C'est juste comme ça, je me suis senti, je me suis dit pourquoi j'essaierais pas de tuer un mec avec ce truc. Et voilà, donc petite idée débile, mais pour le coup ça m'a semblé être rigolo. J'aurais bien aimé de le cramer, vous voyez, un petit truc comme ça, mais. Non, j'ai pas de couteau. Mais ça ne le fait pas. Alors, par ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh oui, j'ai raté quelque chose, je crois, non? Attendez. Je suis très 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 mal là. Est-ce que j'ai raté quelque chose là-bas? Oh merde! Ah non. C'est plutôt par là, non? Je peux pas y aller. C'est plutôt par ici et c'est sur la droite, donc ça doit être là-bas au fond. D'accord, ok, autant pour moi, j'ai du mal, d'un coup j'ai du mal à me repérer là. Oui, je cours, et alors? L'échelle qui sert à rien. Donc là, il y a un mec, on va plutôt y aller. Ouh! Ouais, ça va. Un soum-soum, faut faire gaffe aux caméras. Ok, merci mon ami. La petite gamelle, bien sûr, bien évidemment, avec les croquettes, j'adore ça. C'est ma passion. Le tiercé, c'est ma passion. C'est toute ma vie, je rigole, bien évidemment. Ne joue jamais à ce sorte de jeu de merde là. La française des queues. Ok. Là on est bien, là on est bien. Ça c'est pas bien. Faut voir à quelle heure revient le garde pour sa pause. D'accord, il est là-bas. Faut que je découpe la grille. Mais est-ce que si je découpe la grille. Bon, on y va, on s'en fout. Caméra droite devant. Il y a le garde. Ok, il m'a pas vu. Ok, il m'a pas vu. Mais il risque de me voir. Et je crois qu'il va voir son pote mort. Donc dans 4 secondes, je vais lui sauter sur la gueule. Tel un animal sauvage. C'est bon, il ne m'a pas vu. Good, good, good. Da. Da, da. Quoi, quoi? Oh, c'est téléporté sur moi. Qu'est-ce qui m'a tué? Tu n'as pas dit le mot magique, hein? Tiens, brûle, enfoiré. Allez, meurs! Allez, meurs, putain! Ça va, je rigole! Putain!
Hey, tu sais même pas rigoler, va. Du coup, je fais de la merde, je sais même plus où il faut que j'aille. C'était par là, je crois. Va essayer quand même de la faire discret, même si j'ai fait encore au bordel. Bon. Là, je suis caché derrière un pot. Je suis caché derrière un lampadaire. Salut. J'en ai marre de faire de la merde, putain. Ça fait 5 minutes que ça a commencé, je me suis fait. Oh! Je me suis grillé, je sais pas combien de fois déjà. Putain, quoi, c'est pas possible. Oh, quelle parfaite manicure! Je suis grillé sur ce jeu, c'est terminé. Glissade et tout. Du coup, ça sert plus à rien que je me cache. Ah! Ça sert plus à rien que je fasse quoi que ce soit même. Bibi. Oh. Oh, il était sale celui-là de takedown. Mais il était sale, mais sale. Il est sérieux, il a crié quand il est mort? J'ai rien, mec. Comment je fais pour tuer le chien? Y'a mec là. Réveille-toi, t'es mort. Je l'avais même pas capté, ce chacal. Réveille-toi, t'es mort. Mais par où il faut que j'aille là? Ah! Point d'exclamation. Ah, un commandant! Oh là là. Bon ça. Commandant tranché. Ok. J'ai vu qu'il y avait un truc pour recharger là-bas. Eh, je m'améliore l'air de rien. Je dis ça, je vais me faire griller. Hein. Vous allez voir, je vais me faire griller à coup sûr. Bon, en même temps, avec ce que j'ai fait au début comme carnage, je peux que m'améliorer. Hein. Oh le bordel. Alors. Oh non, dis pas que je vais te retourner. Alors, j'en spot un. Que? C'est pas possible. Bon, mais les packs, il y en avait si peu là. Vite, vite, vite. Allez, t'es pas sérieux? T'as raison, arrête-toi, mec. Oh le bâtard, quoi, le mec. J'irai toute ma couverture, moi, comme ça. Il me regarde ou il me regarde pas?
troisième, il est où? Ah putain, il y a un truc là-bas. Faut que j'aille le prendre, obligé. Moi j'y vais là-bas. Je pouvais passer par là aussi, quel con. Le mec il m'a pas vu ou quoi? What? What? Mais c'est quoi ce délire? Et le mec il m'a éjecté quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ouah, truc de fou frère, oh, il voulait pas le tuer. D'accord, deux modes différents, ok, donc pas mal, vous voyez que ça, c'est pas mal. Oh putain! Oh, il m'a cagué ce con! Ok. Cours, Bobby! Oh putain! Vite, vite! Petit con! Bon, est-ce que si je tire sur les... Si je tire comme ça sur les mecs, ça fait quelque chose? Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ok, pourquoi pas? Donc du coup, ça me sert de gun. Hey, il est futé le mec quand même! Non mais sérieux... Il se passe quoi si je mets là? Puisque je sais que la sortie est au milieu là. Y'a quelqu'un? Oui! Ah putain, le truc qui m'a repéré m'a tiré deux balles. Tout, 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 hop! Plus personne, frère. Au revoir, parano. C'est un truc de fou ce truc. C'est un truc de malade, cette tourelle là. Je sais pas ce que c'est. Deuxième mort ridicule. Et voilà le bloc B. Parce que le B2 doit se trouver quelque part par là. Donc, ok, je n'irai plus là-bas. Bon, lui, il a l'air de se plaindre. Bon, je suis obligé de passer par là. Ok. Ok, ça s'est plutôt passé comme je le voulais, pour une fois. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, t'as pas de munitions, en fait, vu qu'il y a que des recharges de partout. C'est plutôt pas mal, hein, cette sorte de pistolet laser. Strasseux. Donc, deuxième mort, vous avez vu que les deux fois où je suis mort, c'est vraiment parce que j'ai fait n'importe quoi. What? Ok. Voilà, B2, c'est l'heure de faire sortir les monstres de leur cage. Mais attends, la porte là, du coup, c'est la porte tout à l'heure là, ou c'est qu'il y avait le... Non, non. Entra. Enchaîné comme des animaux, comme des putains d'animaux. Ah d'accord, j'ai dit ouais, j'ai plus de munitions. Oh.
acheter. Attention. Oh Dieu soit loué. J'ai cru que j'allais y rester. Et vous, soudainement, vous ressuscitez et vous nous sauvez par-dessus le marché. Oh, qu'est-ce que vous fabriquiez, capitaine Blazkowicz? Rien. J'ai seulement tué du nazi. On va régler nos comptes, Wyatt. Fantastique. Et si on sortait d'ici? Hey! Fermez cette porte! Du boulot. Oh, l'air énervé. Te casse pas la tête, je suis déjà parti, mec. Je suis loin, là. Loin. Alors comme ça, tu veux te la jouer foiré. Hein. Oups. Ah oui. Oh, je kiffe. Ouais, je kiffe. C'est parti les gars. Mode saucissonnage. Ils sont tous morts quoi. On a fait tout ça pour quoi? Faut y aller, capitaine. Ah putain, lui on il va est sortir là. D'ici ensemble. Wyatt. Allez, vas-y, Wyatt. Je te suis, ma gueule. On va sortir ensemble, mon cul, ouais. Attends, alors, 3 ennemis d'affilée. Merde, j'en ai fait 2. Ça va être faisable. Vous pouvez crocheter cette serrure. Carrément que je peux crocheter. Arrête de m'appeler comme ça, je suis plus ton capitaine. C'est le mec, il est dans le jeu et tout. Nous sommes à du temps à arriver. Il ne reste plus beaucoup d'entre nous. Ça a été très dur depuis la fin de la guerre, vous savez. Si on a la chance de s'en sortir vivant, les choses vont devoir changer, capitaine Blazkowicz. Ils ont tous ses yeux bleus dans le jeu ou quoi là? Vous entendez? Les renforts, ils vont mettre tout ce quartier à feu et à sang. Ah, vaut mieux qu'on se casse alors. Merci, capitaine. Non, attendez. Il y a un Panzerhund là-bas. Un Panzerhund? Si on court assez vite, ça devrait être faisable. Suivez-moi. Oh putain! Venez par là, capitaine! Ferme, il y a un Panzerhund! Ça t'apprendra! On devrait s'en tirer si on serre les coudes. Panzerhund? Pendant que j'ouvre la porte! Tu mourrais. Coucou, surprise. Débile. Passez devant, capitaine, je vous suis de près. Oh, ils arrivent tout le temps en secret, ces chiens là. C'est quoi ce bruit? Attends, je recharge ma gueule. Toi, je te grille avant de me... que tu me tues. C'est ton taf. Ok. Ah
non, j'ai failli y arriver. Je croyais qu'il était mort. Ok, ok. C'est quoi ces gros robots là? Je te défonce, mec. Ah, couteau. C'est bon, t'as ce qu'il faut ou pas? Ils sont combien là? Je veux qu'ils soient 3 moi. Mais ils étaient 3 mais pas au bon moment en fait. Je sais pas ce qui nous attend de l'autre côté de la porte. Il va falloir que vous me couvriez. Y'a rien. On danse. Tu m'en y'a rien pour le moment. Ok, ça arrive. Ah. J'ai pas tué les trois là. Attends, attends, on va me faire courir. Laisse-moi prendre ce que j'ai besoin, petit. Tu veux que je te sauve les miches? Ok. Bon, on a fait le tour. C'est quoi ça? C'est bon, j'ai chargé. Donne-moi la gamelle. Bon, j'espère que vous aimez bien la viande, parce que là ça va charcuter. Oh, le putain de défouloir de merde quoi. Vous voyez le bordel du jeu quoi. Foiré de clébard. Y'a quoi là? Je crois que je vais aimer. Je crois que t'as perdu la tête. Hey, attention. Sur quoi? J'ai plus d'armes, comment je les arrose là? Le mec il s'amuse avec le couteau, tu sais. Oh, oh, oh! Venez par ici! J'ai pu démarrer! Futé, fidèle, tenace.
Silence-toi! Tu te sacs, capitaine. Et maintenant? Je croyais pas que tu t'en sortirais. L'un de vous sait démarrer une voiture avec les fils? Même chez vous. Il y a des caméras dans toute la ville. On est surveillé où qu'on aille. C'est plus facile de nuit. Il y a plus d'options. Je vous déconseille vraiment d'essayer d'entrer dans le QG de la Résistance en plein jour. Personne n'a jamais tenté le coup. Mais le ciel est dégagé. Personne n'est à notre trousse. Peut-être qu'on peut entrer dans l'histoire. C'est un plan en deux étapes. Normalement, on devrait avancer pile dans un angle mort. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, vite, courez! Bien avec les nazis, c'est qu'ils sont vraiment très cons. Tant qu'on reste caché dans la brume, personne nous verra. Bon, la deuxième étape, le saut. Écoutez bien, une fois sous l'eau, retenez votre souffle et suivez-moi. Restez sous l'eau, quoi qu'il arrive, ça grouille de nazis dans le coin. Si jamais vous remontez, ils nous tueront. N'hésitez pas, sautez! Désolé, il n'y avait pas de grille devant l'ouverture. J'ai été emprisonné depuis 3 mois. J'ai vraiment pas une mourir. J'aurais dû pas rassurer. Merci de nous avoir sauvé la vie. Moi dans tes bras, je suis gelée. Max, non ! C'est réciproque, Max ! Repose-le, Max, en douceur. Capitaine, lâchez-le ! Klaus est l'un des nôtres. C'est un ancien nazi, mais il a rallié notre cause. D'où le Yankee ? Comment c'est possible ? On est en plein cœur de Berlin et vous cherchez à peine à vous cacher, je comprends pas. Ils ne viendront pas chercher ici. Mais ils peuvent entendre. Pas si on parle à voix basse, hein. Tiens donc, B.J. Blazkowicz. Il n'y a bien que toi pour oser débarquer ici en plein jour. Madame. Ravie de te revoir, Wyatt. Tu es donc en vie, Caroline. En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. J'ai 3 vertèbres qui ont été pulvérisées. Et toi? Trauma crânien, shrapnel de 10 cm dans la tête. Y est toujours. Le côlon sectionné, choc septique et le pelvis en miettes. Amnésie aiguë, flashback et 14 ans chez les fous. Je suis contente de te voir, William. Et vous ?
Qui êtes-vous donc ? Pour ta collection, Jay. Waouh ! Ça fait sacrément plaisir de te revoir. Ça fait quoi ? 3 mois depuis qu'ils t'ont coffré ? J'aurais juré que t'avais cané. Les gens qui sont expédiés en tôle, ils en ressortent jamais vivants. La vache ! En plus, t'es revenu avec du sang frais pour nous donner un coup de main. C'est génial, ça. J'ai entendu des rumeurs intéressantes venant de Londres. J'ai un dossier nommé Projet Murmure, mais quelqu'un l'a emprunté, Klaus, il me semble. Peux-tu le trouver et me le rapporter, William ? Maintenant que tu es là, je crois qu'on va pouvoir accomplir de grandes choses. Asseyez-vous avec moi, Frau Anya. Je vous charge d'écouter ces fréquences. Si quelque chose vient de Londres, notez l'heure et un maximum de renseignements. Voici un stylo et une feuille. Je peux le faire à la machine ? Vous savez vous en servir. Oui. Mais mes parents m'ont appris. Ah, pour noter ce qu'on vous dicte. Des ordonnances, par exemple. Pas vraiment. Ça m'a bien servi quand j'étais à l'université de Londres. Bon. Elles sont en train de tchatcher. Nous, on va faire un petit peu la visite du proprio. Donc là, vous voyez... Pouah, il a tarpé un truc. Donc pas mal de personnes avec qui on peut interagir, même si Jay est en plein solo de guitare. Donc vous voyez un petit peu... la collection de Jay, genre voilà tous ces haut-parleurs, je sais plus comment on appelle ça, un dictaphone ou non, je m'en souviens plus. C'est établi. Je crois pas qu'il m'en voudra si je l'emprunte. Donc petit établi. Et qu'est-ce qu'on fait sur un établi ? On se construit quelque chose d'intéressant, comme une amélioration d'armure. Donc ça, c'est déjà fait. C'est cool, ça c'est en plus. Donc vous savez que là il y a un établi. Par contre, je vais regarder collection. Donc, amélioration d'armure, j'ai déjà pris. Disque, j'ai pas pris. Trésor, je l'ai pas trouvé non plus. Il va falloir que je trouve les deux. Bon, de toute façon, ici, je peux rien faire du tout. Donc, on va se balader et découvrir un petit peu la map. Il a l'air d'assurer, hein, mais je vais pas rester à côté de lui ou je vais me taper des droits d'auteur à cause de YouTube, t'es le mec. Ah ouais, les écrans, ça va pas mal. Donc, voici le placard. Voilà, vous voyez la bouffe. Je connais pas en fait, hein, je fais style le mec, je vous montre où c'est. Voilà, c'est verrouillé pour le moment. D'accord, donc on n'ira pas par là. C'est verrouillé aussi. Direct premier étage. Donc là que ça commence à devenir un petit peu genre en mode dortoir et tout. Désolé pour tout à l'heure, je t'ai sauté à la gorge par habitude. Oh, y a pas de mal, cowboy. Ce genre de choses m'arrive souvent. Tu devrais peut-être faire retirer ces tatouages. Je le ferai, c'est prévu. En fait, je me sentais plus pissé quand je les ai fait faire. Tu vois, c'était un grand moment de fierté pour moi à l'époque. Je veux être encore plus fier de moi le jour où je les ferai retirer. Quand il y aura plus de nazis, il y aura plus de tatouages. Tant que tu m'empêches pas de descendre des nazis, on devrait s'entendre. Caroline m'a envoyé chercher un dossier, projet Murmure. Max ne parle pas très bien ta langue. Mais il connaît le projet Murmure. C'est une opération à haut risque. Il sait qu'elle demandera des sacrifices. Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline dit que t'as emprunté le dossier. Est-ce qu'il est là ? Je l'ai pris il y a 2 jours et je l'ai remis à sa place. Va au rez-de-chaussée. Le dossier devrait être dans le bureau de sa chambre, là où je l'ai laissé. Va donc voir dans la chambre de Caroline. Le dossier est dans son bureau. Donc vous voyez Max et Klaus. Max a un truc à la tête. En fait, petite anecdote, j'ai mon grand-père qui repose en paix, qui avait la même chose à la tête que lui après avoir un accident sur le chantier. Et d'un coup de l'avoir vu comme ça, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais. Donc là, bon, on retourne sur le jeu. Pas le temps pour les regrets, pour les souvenirs et tout ça. Là, il y a une sorte de... Je sais que je peux passer par là. Quoi, j'arrive pas à passer par là parce que là, je sais qu'il y a un secret, il y a un truc à trouver. Donc ça va être le fameux trophée. Ici, pour le coup, je sais que c'est le dossier Murmure, je crois, si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce que Max
se cache par ici, ce serait pas le dossier du projet Murmure. J'ai besoin d'un pied de biche ou d'un autre chemin. Donc pour le moment, ça doit être toutes les personnes qui sont mortes. Franchement, je vous ai dit, l'ambiance sur le jeu, elle est vraiment poussée et tout. Je serais vraiment énorme. Ah, le fameux CD, je l'ai pris. Donc ça, je l'avais pas trouvé la première fois. Chose faite. Et ensuite, le pied des biches, il est là. Donc Wyatt. Wyatt Free. Content d'être entré, capitaine. La fameuse chambre de Wyatt. Je crois que j'ai besoin d'un sommeil réparateur. Ouais. Je cacherai pas des trucs, Wyatt. Il faudrait que je trouve une sorte d'issue pour traverser l'objet là-bas. Donc pour le moment, on va aller ouvrir. Vas-y, Max. Max, écarte-toi, s'il te plaît. Max, bitte. Get zur Seite. Das Herr ist wichtig. Max, komm hier. Komm an. Alles los. Alles wird gut. Désolé. J'aurais dû savoir qu'il le prendrait. Donc, avant de voir Caroline et de terminer cette mission, j'avais envie de faire un petit truc qui rendra, je pense, plutôt content les plus anciens d'entre nous. Je vais faire un petit truc, un petit clin d'œil que les développeurs ont mis sur le jeu. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir ayant joué vite fait. Et vous allez voir de suite de quoi je veux parler. Donc déjà, c'est quoi cet endroit de ouf? Lol, il voulait juste vérifier ça le mec. Donc ça, c'est un petit endroit pour s'entraîner au couteau. Olé. Presque. Voilà, deux doigts. Et la petite dédicace dont je vous parlais. Et juste ici, donc cauchemar, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez vous apercevoir ici un étrange poster accroché au mur de Wolfenstein 3D. Et pour le plaisir, je pense, pour le plaisir de certains et pour ceux qui n'auraient jamais joué au premier Wolfenstein, les développeurs ont décidé de mettre une sorte de Wolfenstein dans Wolfenstein The New Order. Et donc c'est parti. Donc petit dédicace, ça fait vraiment plaisir. Ayant joué au jeu, je vous dis, il y a même pas 3-4 jours. J'étais avec Ex en attendant le jeu, j'ai dit vas-y, on se tape un délire, on se fait du Wolfenstein 3D, sachant qu'il est gratuit aussi. Il a une sorte de flash. Il a une sorte de jeu flash sur leur site de... sur Wolfenstein, je crois que vous tapez Wolfenstein, vous tombez hop là. Et je trouve que l'initiative est vraiment mort de rire quoi. Mort de rire, franchement ça fait vraiment plaisir et c'est un petit clin d'œil comme ça qui est peut-être apprécié par les anciens joueurs et peut-être que les plus jeunes d'entre nous découvriront un petit peu le jeu. Bien évidemment c'est un petit clin d'œil. Donc je voulais terminer cette vidéo par ça. Vous inquiétez pas, ça dure pas super longtemps. Faut arriver au bout aussi, hein, parce que... Pour le moment, ça a l'air d'aller, mis à part au niveau des munitions. Ok. Alors... Où es-tu? Ok. Oh.
mort de rire. Et là, obligé d'y aller au couteau. Sauf si je meurs comme une merde. Ce qui va être le cas. Fou, je vais y rester. Hein. Donc, petit gigas, en même temps, petit passage secret. Ça, je voudrais vraiment tout montrer. Oh, wash. Wash, wash. J'ai pas dit wesh, hein, j'ai dit wash. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, franchement, petit délire. Petit délire sympa. Franchement, moi, ça m'a fait grave kiffer quand je l'ai fait. Sachant que j'étais pas un fan des premiers, pas j'étais pas un fan en fait, c'est que j'ai découvert ce jeu très tard. Le premier jeu comme ça dans ce délire que j'ai joué, moi c'était Doom je crois, Doom ou Duke Nukem. Mort de rire. On va vite finir ça. Oh, oh, faut se calmer là, parce que j'ai plus beaucoup de vie moi. C'était la fin, hein. Derrière cette porte c'était la fin. Je suis mort à la fin. Comme une dinde. De toute façon il appuyait juste sur un levier. Voilà, mort de rire, c'était juste un petit moment. Voilà le petit moment, il fallait que je faille à la fin. Il manquait ces trois gardes et c'était terminé. Bref, c'est pas grave, au moins je vous ai montré ce petit clin d'œil. Ça m'aura fait plaisir et j'espère que ça aura fait plaisir à tous les, on va dire, les anciens et les plus vieux d'entre vous. Donc, moi je vous dis à très très bientôt, je vais essayer de m'entraîner un petit peu à viser parce que je suis une grosse merde. Merci d'avoir suivi cet épisode de Wolfenstein The New Order, et pour le coup ce petit bonus on va dire entre guillemets. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, comme d'habitude les oiseaux. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano, allez peace.